situé au cœur de l'Afrique, juste au niveau de l'Équateur, le Gabon est un pays très riche en ressources naturelles. Avec un patrimoine protégé par 12 parcs nationaux, le Gabon renferme un sous-sol extrêmement généreux que la nature conserve depuis des milliards d'années. C'est au sein de ce paysage privilégié qu'en 2008, le géologue Abderrazak El Albani, professeur à l'université de Poitiers, part étudier des formations géologiques. Il est à la tête d'une équipe internationale de chercheurs et de doctorants dont les travaux de thèse se focalisent sur l'étude des paléo-environnements et la chimie des océans anciens. Ils mènent leurs recherches dans une carrière située à quelques kilomètres de Franceville, où des roches extrêmement anciennes et d'une conservation rare ont été identifiées. C'est alors par hasard que l'équipe découvre ce qui deviendra une révolution dans le monde scientifique. Des fossiles macroscopiques d'organismes multicellulaires datés de 2 milliards 100 millions d'années. La communauté scientifique s'emballe, les fossiles subissent de nombreuses études pointues, les missions sur le terrain s'enchaînent. Les chercheurs s'efforcent de découvrir ce qu'étaient ces organismes et ce que ces fossiles racontent sur un chapitre de l'histoire de la vie qui jusqu'ici n'avait jamais été ouvert. Après plusieurs mois d'analyse, le verdict tombe. Ces fossiles sont bien les traces de ce qui devait être les premières créatures complexes à avoir peuplé notre planète. À ce jour, plusieurs spécimens de taille et de forme variées ont été identifiés. Depuis sa formation il y a 4 milliards 500 millions d'années, les bactéries ont été les premières formes de vie à peupler la Terre. Il s'agissait d'organismes simples, unicellulaires. Jusqu'en 2008, l'apparition de la vie multicellulaire, c'est-à-dire plus complexe, était estimée à 600 millions d'années. Cette faune dite d'Ediacara, découverte en Australie, se situe à l'aube de l'explosion cambrienne. La vie continuera alors à évoluer jusqu'à nos jours. La découverte des fossiles du Gabon vient bouleverser l'état des connaissances que nous avions, en repoussant la date de l'apparition d'une vie complexe et organisée sur Terre de plus d'un milliard d'années. Cette nouvelle fera le tour du monde. Pour l'équipe de Poitiers, cette découverte n'est qu'un début. L'enjeu est maintenant de comprendre tout ce que ces fossiles signifient à l'immense échelle de l'évolution de la vie. J'ai toujours été intéressé par le domaine de la sédimentologie et les paléo-environnements au sens large. Pour moi, c'est un domaine vivant, très actif, et qui me permet de voir, par exemple, sur des roches très anciennes, je peux comparer avec l'actuel, et ça me donne une idée sur le fonctionnement de la planète, sur des périodes qui peuvent aller du million d'années au milliard d'années. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et puis, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est tout ce qui est lié à l'histoire qu'une roche sédimentaire pourrait emmagasiner, archiver, pour pouvoir nous raconter des choses sur l'évolution de la planète. En juin 2012, Abderrazak et son équipe retournent sur les lieux de la découverte, avec pour objectif de trouver de nouveaux spécimens et de comprendre leur environnement. La carrière dans laquelle ont été trouvés les premiers fossiles est un des sites principaux où nos chercheurs décident de travailler. Cette carrière est appelée Sokoba, du nom de l'entreprise gabonaise Sokoba EDTPL, qui jusqu'à la découverte en exploitait les roches pour la construction. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme un patrimoine national et a été placé sous la protection des parcs nationaux du Gabon. Désormais, ce site est exclusivement dédié à la recherche scientifique. Depuis la découverte, l'engagement des autorités gabonaises est déterminant pour approfondir les recherches. Le CNRST est très heureux en tant qu'organe de recherche scientifique du Gabon, de contribuer à ce projet exceptionnel
qui permet de rendre encore plus visible le Gabon, notre pays, à l'international. Cette découverte est extraordinairement importante pour nous et elle booste, si vous voulez, toute l'activité de recherche scientifique au Gabon. Nous avons pu nouer un partenariat avec un laboratoire de Poitiers dédié à la géologie, et ce qui nous permet de dynamiser un centre de recherche à l'université Omar Bongo. L'équipe de chercheurs de Poitiers bénéficie également d'un fort soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français au Gabon. Ils apportent une assistance technique et financière auprès des autorités, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur français et gabonais. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous nous intéressons à une période charnière de l'histoire de la vie et de la Terre. C'est une période où l'oxygène va faire son apparition d'une manière, je dirais, importante, parce qu'auparavant, il n'y en avait pas. Et on va voir s'il y a vraiment une implication sur l'émergence de la vie et le développement de la vie. Il y a peu d'endroits dans le monde où on peut trouver des affleurements, des roches de qualité qui vont livrer des fossiles et qui vont nous permettre, ces fossiles, de répondre à ce genre de questionnement. L'équipe d'Abderrazak est composée d'un géologue de l'Université de Strasbourg, spécialiste du bassin francevilien, d'un sédimentologue et d'un micro-paléontologue de l'Université de Lille, et de deux doctorantes gabonaises qui étudient au laboratoire de Poitiers. Le premier jour de terrain permet à l'équipe d'organiser le travail de la mission. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est de faire le tour du site pour voir ce qu'il y a de nouveau. Surtout que au Gabon, on est dans des conditions où il y a pas mal d'humidité, il y a pas mal de pluviosité, et la roche, malheureusement, elle souffre à cause de l'eau, de tous ces phénomènes-là. Les roches qui renferment des fossiles font partie de la famille des schistes noirs. Elles sont constituées de fines lamelles successives, très fragiles. Lorsque l'eau s'y infiltre, les minéraux qui les composent s'oxydent et détruisent les éventuels fossiles qui s'y trouvent. Pour trouver des fossiles, il s'agit d'examiner les roches, d'en repérer les aspérités, pour ensuite décoller délicatement les différentes strates qui peuvent renfermer des fossiles. Les gardiens, qui surveillent le site en permanence, apportent une aide très appréciée au vu de l'ampleur de la tâche. Pour votre connaissance personnelle, c'est tout à fait normal que vous sachiez pourquoi vous êtes là tous les jours à surveiller le site. L'occasion pour nous de connaître qu'est-ce que les fossiles. Parce qu'on assurait la protection, c'est vrai, mais sans savoir qu'est-ce que c'était. Mm-hmm. Jusqu'alors, on ne sait pas à quoi ça signifie, à quoi ça sert. Quand tu ouvres une bonne couche, s'il y a quelque chose qui n'est pas exactement, tu vas le voir en relief. Oui. Tu vas pas le trouver directement, mais tu vas le voir en relief. Donc après, tu t'intéresses à ce truc. 2, 3. Ah non, mais... Ah oui, très bien. Elle est en train d'arriver, là. Ouais, t'as une forme ici, là. La principale difficulté est de bien déterminer la zone à fouiller, car pour décortiquer l'ensemble des roches de cette carrière, il faudrait à nos chercheurs des années de travail en continu. L'équipe a repéré un affleurement où les différentes couches de roches sont bien visibles, ce qui va leur faciliter le travail. La première étape consiste à caractériser la zone. Les chercheurs essaient de mesurer l'étendue spatiale et géographique de cette portion importante de schiste. Ils prélèvent des échantillons du sol qu'ils analyseront ensuite en laboratoire. Il faut mettre un petit rond avec une pointe pour indiquer le haut. C'est comme une flèche en fait qui monte. Et en dessous, on met une petite croix, un rond avec une croix pour indiquer que c'est comme un vecteur. En fait. On arriverait quasiment à mesurer des longueurs d'onde, puis des petites hauteurs de une fraction de centimètre. Ouais. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en surface, il y a des petites boursouflures. Comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Par la suite, c'est un travail long et minutieux qui commence. L'extraction des fossiles est une opération très délicate qui demande une dextérité particulière.
Les petits organismes sont si fragiles que le moindre faux mouvement peut les faire éclater en morceaux. Non, celui-là, on le prend avec un bloc. On va couper ici. Ah oui. Hein. Ah ouais, et on fait sauter le bloc. Sans prendre le bloc, c'est mieux. C'est plus beau. Ouais. Ok. Wonderful. 10 minutes. 8 minutes et 45. Oh, super. Il est très important que les spécimens soient intacts, car ils vont ensuite être soumis à des analyses de pointe qui révéleront si parmi eux se trouvent de nouveaux morphotypes. L'université de Poitiers dispose d'un appareil de microtomographie par rayon X qui permet de voir la structure précise de chaque spécimen afin de comprendre sa morphologie. C'est comme un scanner médical en fait. Donc on va acquérir une quantité importante de radiographie de l'objet sur 360 degrés. On va le faire tourner sur 360 degrés. Au-delà de ce qu'on peut voir sur le fossile, la tomographie va nous permettre de voir ce qui est caché. Donc ça, c'est déjà un point pour mieux comprendre ces spécimens, ces formes. Quelquefois, on ne les voit même pas sur certaines plaques. Donc ça nous permet aussi de déceler au sein des plaques où est-ce qu'il y a des fossiles pour pouvoir les analyser. On va pouvoir, en quelque sorte, extraire virtuellement les spécimens de leurs roches et visualiser en 3D leur morphologie externe, mais aussi interne. Même si nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle à quoi ces organismes ressemblaient exactement, les analyses de tomographie montrent qu'ils pourraient être constitués d'un corps mou, probablement gélatineux, et qu'ils vivaient dans un écosystème marin. En effet, à cette époque, la zone était recouverte par les océans. La carrière offre aujourd'hui à nos chercheurs des informations sur le fonctionnement du bassin et la datation des roches qu'il contient est fondamentale. Alain Trentesseau étudie les différentes couches de sédiments pour comprendre l'évolution qu'a connue cet endroit au cours du temps. Ici, je suis en train de lever la coupe. Donc, en bas, il y a la base de la coupe ou le début des argilites. Et donc, je mesure j'essaie de noter toute la succession des couches, voir ce qu'il y a comme éléments qui nous permettront de dire après c'est plus profond, moins profond, l'énergie du milieu. Pour essayer ensuite de caler les traces ou les observations que les autres font dans le temps, puisque ici c'est le temps avec les plus anciennes, les plus récentes. Les couches en profondeur sont les plus anciennes et la façon dont elles sont disposées ainsi que leur composition nous renseigne sur le milieu de l'époque, la profondeur d'eau et la puissance des courants. Pour l'instant, les recherches montrent que les spécimens vivaient dans un milieu peu profond et plutôt calme. Mais les indices sont rares en ce qui concerne le fonctionnement de la planète il y a 2 milliards d'années. L'un des premiers à s'être confronté à la question de la datation est Francis Weber, qui dès les années 50 a sillonné le bassin de Franceville pour en faire la cartographie. Quand je suis arrivé à Franceville, on n'avait aucune idée de l'âge. Hein ? Et les premières datations que nous avons faites, qui était très mauvaise, puisqu'on se trouvait 1700-1800 millions d'années, qui était très imprécise, mais pour les gens à qui on disait ça, on ne croyait pas, on disait « mais c'est pas possible que ce soit si vieux ». On n'imaginait pas à l'époque que c'était une série aussi ancienne. Ce n'est que plus tard, en travaillant sur le site d'Oclos dans les années 70, que Francis Weber, alors accompagné par un jeune géologue, François Gauthier Lafaille, a pu affiner les datations. François est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands spécialistes du bassin, et c'est pour cette raison qu'Abderrazak l'a invité à rejoindre sa mission afin de retracer avec lui l'histoire des découvertes de la géologie gabonaise. On a trouvé des gisements d'uranium dans ce bassin, qui sont donc les plus vieux gisements d'uranium aussi qu'on connaît, qui ont une très forte teneur et qui sont dans des sédiments. On connaît des gisements d'uranium à forte teneur dans des granites, dans des roches métamorphiques, mais dans un sédiment, c'est le plus vieux bassin
qu'il y a des gisements avec très forte teneur. C'est en effet en analysant l'uranium que nos géologues pionniers ont pu affirmer que ce bassin datait de plus de 2 milliards d'années. Mais les gisements d'uranium ne sont pas la seule exception du bassin de Franceville. En exploitant les gisements d'uranium, grande surprise encore une fois, finalement ce bassin est plein de surprises, ils ont trouvé des réacteurs nucléaires. C'est-à-dire des endroits où il y a tellement d'uranium, c'est tellement riche que des réactions nucléaires se sont déclenchées spontanément. Donc tous les gisements d'uranium du monde ont été analysés pour savoir s'il y avait eu des réactions nucléaires et on n'a rien trouvé. Donc c'est vraiment le seul où ça a été trouvé. On peut alors se demander s'il y a un lien entre ce phénomène naturel et les spécimens. Sur ce point, les chercheurs n'ont à l'heure actuelle pas de certitude. En revanche, les réacteurs nucléaires naturels attestent non seulement de l'ancienneté, mais aussi de la conservation du bassin. Pour qu'on retrouve des séries qui soient aussi bien conservées, il faut qu'elles n'aient pas été érodées, hein ? Et il ne faut pas qu'elles aient été enfouies à une trop grande profondeur. La marge de fluctuation qu'a pu connaître cette série n'est que de quelques kilomètres de profondeur en 2 milliards d'années. Alors c'est pas beaucoup quand on pense aux chaînes de montagnes qui se forment, qui s'érodent, etc. C'est pas beaucoup. Il faut avoir été dans un endroit particulièrement stable. Et c'est le cas des cratons africains, mais enfin il y a d'autres endroits où on trouve des séries qui ont été aussi stables pendant aussi longtemps, même plus en Afrique du Sud, en Australie, il y en a. Et on pourrait retrouver des fossiles de ce genre en Afrique du Sud ou en Australie, ça ne m'étonnerait pas. Hein. C'est ce caractère rare et précieux qui attire les géologues sur les terres gabonaises depuis les années 50. Les recherches ont donné naissance à de grandes découvertes qui sont extrêmement importantes pour Abderrazak. François est à l'origine de l'une d'entre elles. En les étudiant très précisément avec des spécialistes et en utilisant beaucoup de techniques, on s'est aperçu que en fait, ces roches-là avaient produit des hydrocarbures. Du pétrole, quoi. Du pétrole. Et c'était certainement... une bonne roche mère de pétrole, actuellement, elle a un maximum de 2-3% de carbone. Celles-là, elles ont jusqu'à 15% de carbone. Donc on imagine, ça devait être des véritables éponges à pétrole. Pour avoir des accumulations, voilà. Des concentrations comme ça, voilà. Il faut quand même qu'il y ait quand même de la vie, mais en grande quantité. Voilà. Et ça, c'était toute la question. Quels sont les organismes qui sont capables de donner autant de carbone organique, ouais. Et jusqu'à ce que vous arriviez et que vous travailliez dans cette carrière, on n'avait absolument aucune réponse. Alors on disait des algues, des machins, des algues bleues, mais en fait on n'avait aucune... Aucune idée. Avant qu'on en trouve donc cette première forme de vie, on va dire sophistiquée par rapport à ce qui devait exister avant. Ouais. Et donc on commence à avoir maintenant des éléments de réponse. Ce pétrole, emprisonné dans des roches vieilles de plus de 2 milliards d'années, est donc la preuve d'une vie organique datant de cette période. Cette vie, si primitive soit-elle, devait être très abondante. L'équipe commence à collecter des indices permettant de comprendre le milieu dans lequel ces organismes extraordinairement anciens pouvaient vivre. La suite de la mission, il faut qu'on arrive à se programmer pour les jours qui viennent. Pourquoi ? Parce que on a plusieurs objectifs. L'objectif principal, capital si je puis dire, c'est ce qu'on a commencé aujourd'hui, c'est la carrière de Sokoba. Donc ça c'est important, il faut qu'il y ait toujours une équipe là sur place. Après ça, il y a le travail d'Idalina qui est un travail sur des roches, qui sont des roches, comment dire, qui représentent la base du bassin, c'est tout ce qui est granitique, etc. Et donc c'est pas tout à fait dans le même secteur. Et puis après, il y a le travail de Loris qui est dans le sédimentaire. Alors, le repas du soir permet à l'équipe de faire le point sur la mission et de s'organiser pour les jours suivants. Nos chercheurs décident d'explorer les environs de Franceville pour savoir s'il est possible de trouver d'autres spécimens ailleurs. «
Si on est là aujourd'hui dans cette carrière, c'est parce qu'on a envie de comprendre l'évolution de ce bassin. La carrière Sokoba sur laquelle on travaille, où se trouvent les fossiles, elle est à quelques kilomètres, 3-4 kilomètres, pas plus, du site dans lequel on se trouve. Donc ils contiennent des roches, il y a des roches qui sont bien identifiées, bien caractérisées. Et en fait, il se trouve que l'étendue latérale de cette couche fossilifère, quand on va la suivre dans l'espace, elle va se rétrécir quand on arrive sur ce secteur-là. Donc les chances de tomber sur des macrofossiles comme ceux qu'on a de l'autre côté, bah, dans cette carrière, très probablement sont minimes. Ça fait partie de l'enjeu, mais il n'y a pas que ça. Elle est très intéressante parce que ça nous permet de comprendre l'évolution du milieu et l'évolution des conditions de notre planète à cette époque-là, au-dessus du niveau dans lequel se trouvent nos spécimens. Voilà. Donc on ne se limite pas seulement à la roche dans laquelle se trouve le fossile, mais on regarde en dessous et en dessus pour bien encadrer les conditions paléo-environnementales et mieux comprendre ce qui s'est passé à cette période-là. Donc il y a tout un travail de fond à faire. Et le chemin est encore bien loin. Il y a encore du boulot. Alors qu'ils se rendent sur un autre site, une formation géologique attire leur attention. Cet endroit va malheureusement souligner la difficulté de trouver des affleurements en bon état au Gabon. On s'est arrêté là pour comprendre pourquoi il est difficile ici au Gabon de retrouver des roches saines. Donc c'est le résultat de la pluie au contact de la roche. La roche s'altère, donc les minéraux qui constituent la roche vont être dissous et certains éléments vont être lessivés. Et c'est ça qui donne plus ou moins cette cuirasse et cette latérite. Les chercheurs savent qu'il ne sera pas facile de trouver des endroits où d'autres fossiles seraient visibles. Ils arrivent à Moanda, un lieu connu pour son exploitation de manganèse. En dessous de la mine se trouvent des schistes noirs qui ressemblent étrangement aux roches de la carrière Sokoba. Globalement, ici, on est sur des terrains qui sont un tout petit peu plus anciens que ceux de l'autre côté. On veut quand même se poser la question de savoir si la faune, ou en tout cas les formes qu'on observe à Sokoba, on ne les retrouverait pas ici. Et donc, pour quelles raisons, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de forme ici? La question est ouverte. Alors, on cherche des indices. Est-ce que la raison est liée au fait que ici, on a une plus grande profondeur? Alors, en effet, on a une pile de schiste d'argile beaucoup plus épaisse et des figures sédimentaires qui indiquent un milieu peut-être un peu plus profond. Donc, est-ce que du coup, avec cette plus grande profondeur, on avait des conditions qui n'ont pas été favorables au développement de la vie qu'on voit de l'autre côté? Voilà, ça, c'est une question qu'on peut essayer de résoudre en prenant des échantillons ici, en observant en détail et puis en comparant avec ce qu'on a vu plus à l'est à Sokoba en fait. C'est intéressant sur le point de vue scientifique, quoi. Il y a des figures géologiques qu'on voit. On ne peut pas trouver de fossiles là-dedans. On a prospecté mais on n'en a pas trouvé, quoi. C'est aussi en dessous du niveau où il y a le manganèse qu'ils exploitent en haut sur le plateau. C'est largement en dessous. Si le manganèse a longtemps fait la richesse de cette région du Haut-Ogooué, il intéresse les chercheurs pour d'autres raisons. Pour se former, ce minerai a besoin d'oxygène, et cet oxygène est aussi un élément très important au développement de la vie, et donc de l'apparition de nos spécimens. En effet, à sa création il y a 4 milliards d'années, notre planète était dépourvue d'oxygène. Or, on sait que cet élément est une des conditions essentielles au développement de la vie complexe. Les premières formes de vie primitives sont apparues dans les océans il y a environ 3 milliards 500 millions d'années. Il s'agissait de simples organismes unicellulaires comme les bactéries, qui étaient probablement photosynthétiques. Grâce à l'énergie du soleil, elles ont progressivement libéré de l'oxygène dans l'eau. Ces bactéries, en se regroupant, ont formé des amas rocheux, les stromatolites. Ces formations rocheuses sont aujourd'hui la preuve d'une vie unicellulaire vaste il y a 3 milliards 500 millions d'années. On peut alors imaginer que ces bactéries photosynthétiques sont en grande partie responsables de l'oxygénation des océans de l'époque, permettant alors à une vie plus complexe de se développer. Aujourd'hui, il existe des stromatolites en divers endroits du globe
et on en trouve aussi au Gabon. Donc là, on est au bord du fleuve Ogoué. On est au bord du village Bongo Badouma. Et c'est ici qu'on trouve les plus beaux spécimens de stromatolites dans le Franceville. Ils ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était la première trace de vie organique organisée trouvée dans le Franceville. On sait que ce sont des bactéries, donc des organismes unicellulaires et qui s'organisent pour former des dômes comme on voit ici. Là, je suis assis sur un dôme. Ici, ils ne sont pas très grands, mais dans d'autres régions, dans d'autres pays, peuvent atteindre 2-3 mètres. Au cours de leurs explorations, si les chercheurs n'ont pas trouvé de nouveaux spécimens, ils ont récolté beaucoup d'informations, à la fois sur le bassin francevillien et sur la façon dont les organismes qu'ils cherchent ont pu apparaître. La mission au Gabon est assez courte, ils décident donc de continuer les fouilles dans la carrière. Ce qui est intéressant, c'est la répartition en fait. Putain, il y en a un paquet. Hein. Et regarde la répartition spatiale. Ça, on a vu sur, et, on a déjà vu ça. Ah, puis t'en as une belle avec les étoiles. Ouais, enfin, ouais, bah les classiques quoi. Les classiques. Ouais, mais elle est quand même belle. Grâce à la qualité de conservation de cet affleurement, ils découvrent une colonie tout entière de spécimens. Waouh! Excellent! Pose l'empreinte de l'autre côté. Mets à côté là-bas. Là. Voilà, mets à côté celui-là. Peut-être. Alors là, mes gars, je vais vous montrer un spécimen magnifique. Il est excellent. Et voilà son empreinte. Il est là. Et ça ressemble à celui qu'on a récupéré l'autre fois. C'est et bien, ça, c'est formidable. On a une autre. Ah non, c'est une autre. Elle est très grande. Elle va jusque là. Elle va juste ici. Mais là, si on lève ce morceau. Si, vas-y, continue. Oh, vas-y, si. C'est un vrai puzzle. Ah ouais, c'est bon. Bon, c'est un travail de titan, parce qu'on peut passer l'année ici, hein, il n'y a aucun problème. Parfois, c'est même, je dirais, déprimant, parce que le temps, pas beaucoup de temps. Si cette découverte de fossiles est une révolution dans le monde de la géologie, elle intéresse également des chercheurs d'autres disciplines. C'est le cas de Jean-Paul Gonzalez, directeur du Centre international de recherche médicale de Franceville. Situé au cœur de la forêt tropicale, le CIRMF abrite l'un des plus grands centres de primatologie au monde. Une de ses missions est la virologie, et la découverte de fossiles ayant vécu il y a 2 milliards d'années revêt un intérêt particulier pour ce centre. C'est d'abord une démarche scientifique qui m'amène ici, c'est-à-dire regarder des choses très anciennes qu'on n'a jamais vues, qu'on a, nous, biologistes, et puis essayer de comprendre, donc d'expliquer le continuum évolutif, donc qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'on observe il y a 2 milliards d'années et ce que nous observons, nous, du point de vue microbes, maladies, etc., au laboratoire. Nous, microbiologistes et virologistes, dans notre théorie d'évolution, si vous voulez, les parasites ont précédé, donc, les eucaryotes et évidemment les animaux pluricellulaires. Donc les virus sont là. Donc la réflexion, quand avec M. Albani et moi-même on se retrouve sur le terrain, le nez dans ces fossiles, on s'est dit mais où sont mes virus ? Mes virus sont forcément là. Ils sont où ? Ils sont dans les bactéries, où ils sont dans ces micro-organismes. On est à 2 milliards 100 millions d'années, mais on est quand même dans un contexte très moderne où ces organismes, qui sont des organismes très primitifs, qui essaient de s'adapter à leur environnement, qui n'est pas un environnement simple ni facile, et déjà les bactéries sont là, et déjà les parasites sont là, au travail, les bactéries, pour
s'occuper des morts de ces micro-organismes ou les infecter ou, comme je disais tout à l'heure, faire partie de leur symbiose et faciliter donc ces organismes à vivre sur la planète Terre au tout début de l'émergence de la vie. Ces fossiles permettront peut-être un jour de faire avancer les connaissances dans le domaine de la biologie. Le travail de terrain touche bientôt à sa fin. Les chercheurs doivent maintenant effectuer une tâche délicate, celle de sélectionner les fossiles qu'ils ramèneront en France pour analyse. Ils doivent réduire les plaques afin d'isoler les parties comportant des fossiles. Alors je réduis. Okay. Écoute, c'est pas beau ça. Tiens. Et tiens, voilà l'équivalent. Tu les mets l'un à côté de l'autre, on se rappelle qu'ils sont ensemble. Après avoir effectué une sélection minutieuse, notre équipe va rapporter en France plus de 200 fossiles. L'étape d'emballage des échantillons est cruciale. Les spécimens sont fragiles et doivent être protégés pour le voyage. La mission de terrain au Gabon est maintenant terminée. L'équipe rentre en France. C'est à l'université de Poitiers que les analyses des spécimens vont commencer. Au laboratoire Hydrasa. Maintenant, voyons voir. Il faut d'abord déballer les échantillons pour vérifier que rien n'a été abîmé au cours du voyage. Ensuite, une longue série d'études commence. On va faire un bilan global de ce qui a été pris sur le terrain, référencé, stocké ici. Et puis la seconde partie, c'est la tomo. Donc il faut passer ça au scanner. L'équivalent scanner médical, le tomographe, pour qu'on puisse ressortir ce qu'on ne voit pas le nu. Parce que là, tu as les gouttes, là, tu as la formation du truc. Les données collectées par le microtomographe sont ensuite traitées par un logiciel qui permet de construire une animation en 3D du fossile virtuel. Sur ce spécimen-là, qu'on a tomographié, il suffit tout simplement de prendre la référence et aller sur un fichier qui se trouve juste à côté, cliquez, et on va voir une animation 3D, où on voit le spécimen tourner sur lui-même, et nous permettre de montrer dans un premier temps un volume 3D, et après, au fur et à mesure, on va voir apparaître la transparence, qui va nous permettre de révéler tout le détail interne du spécimen. Donc on va voir, par exemple, une partie au milieu qui est plutôt dense, et autour, vous avez ce qu'on appelle la fabrique radiale qui va se positionner de part et d'autre. Et ce qui est vraiment très intéressant en regardant le volume 3D tourné, c'est qu'on voit un plissement du spécimen qui montre très clairement que c'est quelque chose qui était flexible. Et ça, c'est vraiment quelque chose de typique, caractéristique d'une matière organique, entre guillemets, gélatineuse. Hein. Et ça fait partie des critères de géométrie morphométrique qui permettent de montrer un petit peu le détail à la fois externe, volume 3D, et interne, grâce à cette technique de tomographie sur laquelle on s'appuie énormément pour pouvoir analyser nos spécimens, parce que c'est une technique non destructive, non invasive, et ça c'est un avantage pour nous qui est extraordinaire. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Ils sont pas ensemble. Par la suite, les spécimens vont être étudiés via des techniques géochimiques de pointe. Ces études se font en collaboration avec plusieurs laboratoires à Stockholm, Brest ou encore Nancy qui disposent d'une sonde ionique permettant d'analyser les isotopes de soufre. Il s'agit surtout de caractériser un minéral présent sur chaque spécimen, la pyrite. Ce minéral jaune permet de conserver les spécimens sur de très longues périodes. Selon son origine, minéral ou biologique, les chercheurs peuvent savoir s'il s'agit bien d'un fossile. Grâce à cette technique, à cette méthode très pointue, on peut savoir ce qui leur est arrivé après leur mort.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, ça nous donne une idée sur leur mode de vie. Est-ce qu'ils étaient sur le fond, ils étaient à l'intérieur du sédiment, ils étaient en flottaisant dans l'eau. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses qu'on essaie de retracer. Une fois analysés, ces fossiles sont répertoriés dans une bibliothèque numérique à laquelle la communauté scientifique pourra avoir accès. L'un des projets d'Abderrazak est que cette base de données vienne dans l'avenir enrichir les bornes interactives des musées. Toutes ces analyses ont permis au fil du temps de mieux comprendre à quoi pouvait ressembler notre planète et les organismes qui la peuplaient il y a 2 milliards d'années. C'est grâce à un travail collectif transdisciplinaire qu'un nouveau chapitre de l'histoire des origines de la vie commence à s'écrire. Cette découverte d'Abder al-Albani est particulièrement intéressante car elle s'inscrit pas seulement dans le temps court de la découverte, mais dans une volonté de collaboration scientifique avec les collègues chercheurs au Gabon pour les accueillir dans notre laboratoire, pour que l'équipe de Poitiers puisse continuer à travailler sur les différents sites géologiques du Gabon. Et donc c'est vraiment une collaboration sur le long terme qui est en train de se développer entre l'Université de Poitiers et le Gabon pour permettre à de futurs doctorants et à de futurs étudiants gabonais ou de l'Université de Poitiers de travailler ensemble pour poursuivre les recherches de ce laboratoire. Regarde, là c'est de la pyrite dans l'encaissant. Grâce à ce biota gabonais, c'est la première fois de l'histoire de la planète, de la vie, où on est en train d'assister à une organisation, si je puis dire, intelligente, de point de vue morphologique, de point de vue croissance, etc., où on va voir des spécimens qui vont se développer de taille et de forme variées, sachant que avant on n'avait rien, et après, il ne va plus y avoir grand-chose, parce que le fameux oxygène va disparaître aux alentours de 2 milliards. Et il va disparaître pour longtemps, c'est-à-dire pendant presque 1 milliard, jusqu'à la période où il va réaugmenter, et on va voir apparaître la faune des Diacara, aux alentours de 500 millions, la faune de Burgess, aux alentours de 400 et quelques millions. Mais entre les deux, il n'y a absolument rien. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas avec l'oxygène? Moi je dirais oui, il y a un lien direct avec l'oxygène. Il y en a qui pensent que l'oxygène pourrait être toxique. Oui, il pourrait être toxique au début, mais pas après 200 millions d'années. Parce qu'il a augmenté à 2,3, on est à 2,2,1, donc il y a quand même 200 millions d'années. Donc la vie a le temps de s'organiser. Et donc pour la première fois, on assiste à une mise en place d'un système de vie complexe et organisé. Depuis la naissance de la Terre, les bactéries ont vécu seules pendant plus d'un milliard d'années avant que les conditions nécessaires au développement de formes de vie plus complexes n'apparaissent. Il aura fallu des milliards d'années pour que la vie explose dans toute sa diversité et deviennent celles que nous connaissons aujourd'hui. Le gigantesque puzzle de l'histoire de la Terre est encore incomplet, et les origines de la vie passionneront encore les chercheurs pour des générations. Kaku yande, jaya kuto numpiri. Arumbene, anera waya izere kende kende gigala. Apano ini barimbanja. Granera ne, zele zele. Ribana kagukasa. Bangami nangu ampiri ntebo, ntulu mede ampiri ntebo. Jaya miya wane nchende ntaka, dimeno zami. I am your
Can I come in Janjinimbe? Can I no one Janjinimbe? Can I in Gessin Janjinimbe? Can I in Falan Janjinimbe? Can I in Compin Janjinimbe? Can I in Compin Janjinimbe? Mbe.